Je me souviens de la première fois où je suis monté à bord du Liemba. C'était il y a 24 ans et j'étais angoissé. J'étais un peu tendu. J'ai toujours voulu travailler sur un bateau et je connaissais l'histoire et l'importance du Liemba dans le cœur des Tanzaniens. En 1998, je suis devenu le capitaine d'un des plus vieux bateaux au monde encore en activité.